œuvrer pour la commu. Salut à Kuma. Oui, bien dormi, ouais. Tranquillement, bah je suis pas le plus à plaindre. Hein, hein? Bah en termes de dormage, de rompiche. J'enlève la musique parce qu'on aura la musique du jeu. Ouais, plutôt frais, ouais. Plutôt tranquille. Après, je te dis, hein, j'ai veillé jusqu'à 5h du mat. Je me suis réveillé comme une fleur vers 9h30, je crois. Allez, on va étendre ce putain de territoire et essayer de gagner notre indépendance auprès de l'empereur du Saint-Empire romain, Germanique. Il y a moyen, hein, je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose. Ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil, mais en vrai ça va. Et oui, de toute façon, on va se rattraper. Demain, on n'a pas grand-chose à faire. Et on va peut-être en profiter aussi pour visiter un peu Clermont, hein. On a une petite vue sur le centre historique. Je pense qu'on voit aussi la cathédrale de Clermont. Mais je sais pas ce qu'il y a à visiter là-dedans. Je sais que Clermont, c'est. De toute façon, on est dans le coin des eaux thermales. Des eaux thermales, des eaux de source, je veux dire. On est à côté de Volvic, de tout ça. Donc, pourquoi pas, je sais qu'il y a des. Il y a des carrières de calcaire. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais fait ça. Des gens qui faisaient des sculptures en calcaire. Ce qui est lol. Mais c'est qui ça? Bouteille de Red Bull à moitié pleine. On va voir. Je sais pas si on a le backpack, on pourrait même liver notre visite de Clermont. Serait lol. Alors, où c'est qu'on était là? C'est quand même pas mal, hein. On était quand même pas mal. Ah oui, en plus j'avais un gosse. Et ça fait zizir parce que avoir juste une fille, c'est compliqué. Ah, mon oncle est dead. Ah oui, mais c'était mon poteau ça. Je suis toujours allié avec lui, on est bien d'accord. Que la Flandre, c'est un peu mon meilleur poteau, hein. Ah, attends, ça a l'air d'être compliqué cette histoire. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ok. Je suis allié à la basse Lorraine. Ah non, je suis en trêve. Ah merde. Alors attends. Mais. C'est une fille. Après, ils sont jeunes, hein. Ils sont pas particulièrement malades. On va tenter le mariage et on espère fortement qu'il va décéder. Ah bah d'accord, il refuse en plus. Il refuse. Alors attends, parce que là du coup c'est pas bien. C'est pas yimbe du tout. Il faut que je trouve de quoi me marier. Hein. 16 ans, mais évidemment, elle va refuser cette Attends, connasse. on m'entend bien? Oui, Top. Ça, je vais pouvoir parler avec toi. bah, s'ils sont jeunes, ils peuvent pas dire non au mariage, mais après, c'est les parents qui décident. Hein. Et surtout que là, c'était la seule héritière, donc forcément, Ah, ils ont pas trop kiffé quoi. si c'est la sœur héritière. Et en soi, si demain, du coup, il nous reste à démonter tout ça, quoi. Ouais, mais tu vois, ça, on est assez chill, non? Ah, faut qu'on charge et tout, hein. Effectivement. Et charger, ça va être plus compliqué. Le fusil est chargé. Pas mal, ça. Oui. J'aime bien. J'aime beaucoup. Les oldies références. Ouais, alors attends.
attends, parce que du coup, moi j'ai un petit problème. C'est que je ne m'attendais pas à ce que mon poteau soit si vite décédé. Y a pas Lui. possibilité d'afficher le chat sur son écran? C'est une question comme ça, hein, c'est une question que je pose, tu sais. Ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Est-ce que c'est une référence à un navigateur? Chatbox? Oh yeah. Ah oui, mais il faudrait qu'il parle à un moment donné. Est-ce que je peux te piquer? Est-ce que tu as ton câble USB-C pas très loin, Todd? Il est branché à côté de. Tu le veux à côté de toi? Non, pas forcément. Il est à côté De ton lit? de mon lit, oui. Alors attendez, parce que je suis dans le Ok. caca. Je suis actuellement dans l'intimité. Ah là 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 là. Attends, j'ai transitionné ou pas? Non, pas du tout. Mais bon, le chat, je sais pas s'il va se mettre à jour. Je suis actuellement dans l'intimité totale, j'y suis allé. Alors, c'était comment? Bah, comme ma chambre. Et comme toutes les chambres de ce Airbnb. C'est-à-dire bien, quoi. Ouais, grande. Attends, mais je vais peut-être mettre un peu de musique de fond du jeu. Je l'avais enlevé parce que c'était un poil fort. Bah là, c'est encore très bas, là. Tellement bas qu'on l'entend pas. Alors attends, parce que du coup, on voit pas le chat. Por qué te vas? Bah, le chatbot. Attendez une minute. Oui, c'est bien lui, bordel. Pourquoi je reçois pas les infos du chat? Écoute, pas grave, sinon. Ouais, écoute, hein, pas grave. Sinon. Là, pour l'instant, je cherche des girls. Ouais, 2000, ça me dit pas mal, hein. Mais pourquoi c'est lui? Oula! Hécatombe, hein. Hécatombe. Je vais mettre lui. Intendant. Ah bah voilà, très bien. Et my girls en maître espion. Fire. Quand même. Je peux déclarer la guerre. Ah oui, mais le comté de Jure, je m'en fiche. Ça, par contre, je ne m'en fiche pas. Après, lui, il va avoir beaucoup de territoire, hein. Mais bon, là, c'est easy peasy. Ah, j'ai plus de médecin. Pas grave. Ah bah évidemment, il s'est allié avec quelqu'un. Pourquoi je l'ai pas vu popper là? Pourquoi il a 2000 gars? Ouais, mais alors sans allié ça va être compliqué. Hein, je m'attendais pas à être aussi compliqué. Et le royaume de Léon, il existe encore là, je rêve pas. Oh
Oh putain, j'aurais dû faire ça avant. Avant de déclarer la guerre. On va laisser tourner, hein. On va laisser tourner, on va essayer de voir si ils tentent des trucs. Mais là pour l'instant, 1500, mais 1500 gars contre les 2000 gars de l'autre, ça va être chaud. Ah, un enfant songeur. Là, on joue à Crusader King 3. Mais je veux que ce personnage-là se casse. Ah, mais attends, il y a peut-être moyen que je fasse une dingue. C'est-à-dire payer des mercenaires. Oh putain, c'est cher cette connerie. Oh là 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 là. Ah voilà, tu vois, tant pis, je perds un territoire ici. Mais il se prend des pénalités. J'attendrai le moment opportun pour opportuner cet opportunage. Ah, je peux vassaliser. C'est qui lui? Oh bah oui, carrément, je le vassalise. Hop, bonne chose de faite. Comme je suis le duc du Jure. Hop, je me permets d'enlever. Enlever le jus de pomme qui est en fond. Ah oui. Et ça, c'est à toi ce Red Bull? Non, ça devait être à Vanlan. Ah. Je pense. Là, pour l'instant, c'est un peu une dingue. Une dingue du futur. Ah. Le duché de Gênes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je rêve, je me fais harceler par une guerre qui me concerne pas. Oh là là là, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai entamé cette guerre inutile et pourquoi j'ai pas vu que je me suis fait attaquer par un mec à Reims? Eh ben Reims, c'est quelque part par là, non? Valenciennes, Lille, Saint-Quentin, c'est dans ce coin-là, non hein? Verdun. Je suis bigleux, enfin c'est dans ce coin-là, Reims. Alors, donc là, je me suis fait un peu poutrer. Marqué en gros sur la carte, mais je suis bleu. Ah oui, non, oui, bah oui, quel con. Ça va. Hein. Faible contrôle de Namur. Ah bah oui, mais c'est normal. C'est normal. Alors, est-ce que je tente une dingue? C'est-à-dire que je vais disperser mes troupes. Et il va falloir que j'attende que ça revienne un peu. Ah là là, mais parce que mon connard d'empereur a fait de la demeure. Qu'est-ce que je perds avec cette défaite-là? Oh, le comté de Bouillon! Mais c'est à moi, ça, monsieur l'arbitre! Oh, quel... Oh là 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 là, non! Mais mon empereur... Attends, il reste sur mon territoire, quand même. Je suis pas taré, là. Ah ouais, et en plus avec la... Oh là là! J'ai perdu mon territoire! Pourquoi? Putain, ok. Ah, ça fait bien yesh, hein. Embrasser la fois que... Oui, vas-y. Ah, j'ai un peu le seum d'avoir perdu ça. Surtout que c'est une revendication de l'empereur, quoi. Mon empereur ne sait pas me défendre. Putain, je suis en train de prendre une branlax. Parce que même si je prends des mercenaires, j'aurais pas le compte. Le compte n'y est pas.
J'ai que des piquets ici, ce qui est pas le, ce qui est pas le futur. Et le truc, c'est que évidemment, lui, il est catholique. Oh, chier, quoi. Je suis même pas un pays, en fait. Je suis pas un pays, je suis juste un duché. J'ai commencé la partie très durement. 13, ouais, 1352. Ah, je vais être obligé, je vais être obligé. Mais putain, je suis un connard d'avoir lancé la guerre sans avoir checké. Tu lances des guerres comme ça, toi. Hein ? Tu lances des guerres comme bah, ça. Bah oui, parce que en termes de stats, ça, c'était ok pour moi, quoi. C'était ok pour moi, mais là, je vais être obligé de prendre des. Putain, je prends quoi ? Mais en fait, les piquets, c'est un peu de la merde, hein. Allez, je vais prendre ça. Ça va me coûter une blinde. Bah. Ah oui. Ça se trouve, je vais me prendre une branlaxe. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Ah bah, il se casse. Après, ça va. Mes mercenaires, ils me coûtent... je reste à l'équilibre. Ouais, c'est bon. Je prends le but. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus gros royaume du monde. C'est moi, ça ? Alors, je m'imagine pas... Non, mon cœur est pur. Non, mon cœur est pur. Voilà, et en plus, ça me donne de la dévotion. Bon, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Heureusement que j'ai pris les mercenaires. Ça m'a coûté de la thunasse, c'est sûr. Le jeu est payant, par contre. Oui. Le jeu est développé par... oui, c'est ça, Paradox Interactive. C'est ceux qui font City Skyline et tout. C'est des masters en termes de jeu de gestion. Allez, je vais reprendre le territoire. Je vais reprendre le territoire. Attends une minute, hein. On est bien d'accord que je n'ai lié aucune alliance pour l'instant. Ça sert à rien qu'il fasse des gosses, lui. Hein. Et je vais surtout signer mon contrat avec le roi de Léon, en Espagne. Léon. Bah ouais, parce que là j'en ai un peu besoin. Il fait quoi là? Il va m'attaquer? Ah non, il va essayer de récupérer un territoire. Bam. Mais il va où ce bâtard? Il va à Maastricht. Comme as. Je vais te défoncer mon gars, tu vas rien comprendre. Hein, n'oubliez pas surtout de vous sub à la chaîne, on a des objectifs. Hein. Allez, prochain step, c'est... On fait des danses TikTok, putain. L'enfer. Ça m'a saoulé un peu hein, quand même de payer des mercenaires. Mais là, obligé, en plus c'est pour un vieux territoire, et en plus j'ai perdu mon comté de bouillon. Donc là, obligé que je me vénère, quoi. Je vais peut-être prendre le territoire qui est l'objectif. Il donnera peut-être un score plus honorable. Et il faut que je joue mes alliances là. Parce que c'est pas possible. Ah bah super en plus. Je vais le défoncer. Je l'ai suivi jusqu'à sa tanière. Voilà une bonne chose de faite. 18 mois de siège, l'enfer. Et après il me rattrapera plus. Là je sais que ça va bien se passer. Le siège va être long. Hein. Le siège va être très long. Et en plus, j'ai pas d'arme de siège. Je vais augmenter la vitesse. Ah! Votre fille avec mon chevalier. Ah oui, de Léon. De Léon.
Ah, il va m'attaquer, ce petit con. Je vais plutôt la jouer gentil là-dessus. Je vais payer mes relations. Voilà, donc du coup, là, mon score de guerre est positif, mais il faut que j'atteigne 100% pour atteindre mon objectif. Rogner sur les coups. Là, mon but du jeu, c'est de faire de la moulaga. Ah! Ah bah voilà, mon objectif à 100%, j'ai récupéré le territoire, appuyé les demandes, je disperse tout. Hop. Et c'est qui? C'est cette girl là, alors du coup c'est une naine. Oh putain. Et ça, les naines, c'est horrible parce que ça donne des malus. Ah putain, c'est une fille encore une fois. Arrange un mariage avec mon gosse. Non, toujours pas. Après 2000 finalement c'est un peu en deçà de ce qui est convenable. Hein. Est-ce que j'ai pas un... Oh, évidemment trop jeune. Oh, il s'est marié avec un bouffon. Père vassal. Arranger mariage avec ma fille. Lui. Oh oui. Cimer. Ah oui, bah ça me va, hein. Ça me va très bien. Il faut que je signe avec le Léon aussi. Enfin, c'est la Castille maintenant. Non, si, c'est lui. Opinion. Ah oui, alors attends, si je lui donne de l'argent. Non. C'est un non négatif. Je vais essayer de l'influencer. 36%. C'est chaud. C'est tendu. Alors, Nargo Isokie. Mais c'est qui cette meuf? Ah, mais c'est ma meuf. Okay. Vous pouvez choisir un tuteur pour Henri. Ah, mais oui, je peux renseigner les gens. Mon évêque. J'espère que ça va, il va être content. Ah, j'ai hérité de l'ex-chapelle. Okay. Maréchal, nous voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais oui, mais vous, cassez-vous, hein. Ouais, mais de toute façon. Donc, j'ai hérité de Aix-la-Chapelle. Mais en fait, je m'en fous un peu de ces territoires. Donc, je vais regarder chez mes courtisans. Intendant et chevalier, par exemple, lui, il marie à quelqu'un? Non. Accorder un titre, celui de Aix. La baronnerie et cette histoire. Et comme il n'est pas marié, ça restera un territoire familial. Hein. C'est-à-dire que... Oui, donc toi, tu t'en vas. Ok. Ok. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter la taille? Je pense que oui. Je pense que c'est le bon moment là de commencer à faire des trucs. Fiancé pas se marier. Très bien. Excellent. Les factions. C'est lui la faction dangereuse? Mais lui, il me vénère. Hein. Ah tiens, je peux arranger un mariage. Votre fille. Il a un fils lui? Avec Conrad. Ah, même avec l'absence, il veut pas, ok. Après ça me donne. Putain, il a que deux titres en vrai, hein, comté du Luxembourg. Et pourtant il me saoule. Non, vas-y, je vais pas le faire, tant pis. Il est juste méga saoulant. Emprisonneur. Allez, je vais prendre. Ah!
Le comte Simon est cannibale. Intéressant tout ça. Au niveau de la guerre. Et au niveau de la guerre. Comment ça se passe? Oh, mais attends, c'est à moi ce territoire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, non, c'est le Norgo. C'est un allié, mais attendez. Hein? Ça, non, ça c'est un nom. En plus, c'est pas un territoire de folie, mais cette histoire d'Autriche. Ah, mais c'est lui! Ouais, carrément, moi je prends, hein, mais du coup, si je lui donne. Pourquoi je peux pas déclarer? Pour Kaiser? Et pourquoi on me propose cette guerre si je peux pas la faire? Je vais le confronter. Ouais, alors j'ai peut-être pas tenté le. Oui, ok. Parce que je pourrais réclamer le terrain, mais c'est chaud. C'est chaud. Ah, Thierry. Thierry est né. Pour embaucher un médecin. Faible contrôle de Liège. Ah oui, alors attends, parce que du coup j'ai le jure. Liège. 6 ans. Wait a minute. J'ai pas de casus belli pour lui. Mais t'inquiète pas, qu'il va se passer des choses, hein, sur ton territoire, mon gars. Il est puissant. Non, il est pas du tout puissant. Lui, il commence à me casser les couilles quand même, hein. Après, il a une langue différente. J'ai un absent. Bah, je peux utiliser un absent. Après, c'est un move dangereux, quoi. Pourquoi je perds en piété? Je suis gourmand. Putain. Aller chasser. Je vais aller chasser. Alors attendez 2 secondes, j'ai envie de pisser, je reviens. Hop. On va parler avec le chat en attendant. Todalf. Comment ça va, chat? Le petit chat. Ok, ok. Alors je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ce jeu. Mais je peux vous dire qu'on se régale. Hop. Ah mince. Je suis en train de jouer également et je suis en train de me faire exploser, si vous voulez tout savoir. À l'aide. Je suis en train de me faire exploser et je me noie. Bon bah nickel, ça tue. Hop, hein. Bah dis donc, ce serait pas un Todalf qui reviendrait? Il y a Todalf qui revient du coup de son brief. Todalf qui va revenir de son petit brief en DDE. Tac. Ah, ça fait du bien. Allez, attendez, parce que là j'ai quand même un royaume, enfin oui, un territoire à gérer, trophée de chasse. Non, trophée de chasse. Là pour l'instant. Ok. Hein? Allô? Ah oui, je m'entendais plus.
Rentrons revivre et ça me donne de fortune. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui... Je m'entends plus là. Et putain. C'est... Déjà? Non, c'est que tu peux pas allumer, je pense. Il y a déjà plus de batterie? Un, deux. Oui, c'est bon. Et voilà, et en plus, il y a un vassal qui me casse les burnes. Jamais. Mais il va tenter réellement quelque chose, lui. Ce pauvre caca. Il va tenter des trucs. Ok. Surtout que j'ai augmenté mon armée. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, hein, ce qu'il a fait. Voilà. C'est une petite guerre qui fait plaisir. Ainsi soit-il. Hop. Là, je vais rester sur centralisation. Opinion populaire. Limite du domaine. J'ai passé là-dessus là, quand même un moment. Paf. Au niveau des alliances. Ah oui. Hop. 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 Ah putain, il veut toujours pas mon alliance là. Parce que lui, c'est 3000 hommes. Après, ils sont un peu loin, hein, mais. Mais j'accepte tout. J'accepte tout. Là, je pense que cette alliance avec lui, il est plutôt pas mal. Parce que lui, il va hériter de ce royaume-là. De Swab. Et d'ailleurs, j'ai pas moyen de. Ah bah si, bah je peux déjà négocier ça. Ok. Donc j'ai déjà deux alliances. Excellente nouvelle. Et en termes de faction, alors il y a toujours lui hein, qui est le petit relou de la famille. Putain, je suis le seul à vouloir l'indépendance. Chelou. Modifier le contrat. Artefact. Isoquet. Déclarer la guerre. Après. Utiliser un absent, ouais, mais je peux toujours pas. Moi, je veux bien faire la guerre à un moment donné. Hein. Moi, je veux bien. Hein. L'empaleur. Et la basse Lorraine pour Clève. Ah ouais, mais lui, il est relou. Lui, il est relou. Is relou. Ils relou confirme, je vais plutôt m'attaquer là-dessus. Hein. Et attends, parce que du coup, mon prince héritier, mon héritier, il faut que je lui trouve quelqu'un de sympathique. Ah, ils ont un fils. Est-ce que je prendrais... C'est quand même pratique, hein, c'est quand même pratique, ils sont juste à côté. J'espère juste qu'il va me dire un grand oui. Ah la pute. Trop d'alliances. Si je lui donne de l'argent. 150, ça me fait 29. Est-ce que je veux vraiment ça? Et après je fais en sorte. Ah ouais, mais attends, si je lui donne de l'argent, ça va être confirmé cette histoire. Il a l'air d'avoir une belle morale, ton jeu. Ah bah là c'est normal, hein, c'est vraiment... Je vais lui donner de l'argent. Je vais lui donner de l'argent, je refais le mariage et là normalement ça passe easy peasy. Yes, ça passe. Je vais la jouer comme ça. C'est comme si c'était fait. Excellent. Après son daron il a 29 ans. Ah oh, putain ça m'a fallu encore... C'est dingue. Est-ce que c'est mon... Là, est-ce que c'est mon micro qu'on a coupé? Ok. Pourquoi? C'est quoi le but? Oui.
Ah. Mais attendez, il est indépendant. Mais monsieur l'arbitre, il est indépendant. Pourquoi je pourrais pas lui faire la guerre? J'ai des revendications. Ah, nique sa mère, putain. Ça devrait être le... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a plus le droit de faire la guerre là entre chacun. Oh l'enfer, ok. C'est un peu relou ça monsieur là quand même. Oh je peux plus tellement m'étendre alors du coup c'est ça la blague? It's not cool. Ah, je peux te demander de l'or à mon chef. Je vais le dépenser sérieusement, évidemment. On va faire regarder un peu les bâtiments. Levé impôt, je prends. Et Maastricht, alors attends. Ils grandissent vite, hein. Et attends une seconde, cette meuf. Arrêtez de me parler! Ça, jamais. Cette meuf, elle n'est pas mariée. Donc, il faut que je lui trouve un beau parti. Un joli parti. Ah, il est maqué. Oh, ils sont tous maqués. JPP là, JPP, c'est de ces piles là qui n'ont plus rien là, c'est pas vrai. Anglais. Ah, ils sont là-bas. C'est un mec. Attends une minute. Ah mais oui, petite fille. Non? D'accord. Putain, ils ont que des filles. En même temps, c'est relou là, si je peux pas récupérer des territoires d'autres gars. C'est un nain? Non, c'est pas un nain. Votre fille. Non, mais s'il vous plaît. Oh, j'ai trop d'alliance. Ah, c'est vrai qu'il y avait des histoires de chevaliers là. Hop. J'ai son père dans ma cour là. Peut-être pas sérieux. Mais je sais pas si ça vaut le coup de dépenser. Ouais, non, c'est 4 ans. 4 ans. Alors attends une seconde. Ok, bon, bah du coup, je vais plutôt fabriquer des revendications sur ce terrain-là. Qui, on est bien d'accord, ne fait pas partie du Saint-Empire romain. Ah putain, si. Ah, mais je vais rien faire du coup. Je suis
suis baisé dans cette histoire. Faut que je déclare l'indépendance à un moment donné, là, c'est pas possible. Et pourquoi je me suis mis dans une culture française ? Parce que évidemment là c'est beaucoup trop tôt là. 8000 gars. Je me fais poutrer. Et il me fait poutrer. D'accord. It's compliqué hein, cette histoire. Après derrière en termes de thunas, c'est plutôt pas mal. Bon, allez hop, je vais le faire. Dans les courtisans. Oh, mais attends, j'ai des prisonniers. Pour une faveur. La Chine. Ok, ouais, c'est des prisonniers qui ne servent à rien. Après, derrière, est-ce que lui. Peux négocier et je te recrute quoi. Et tu seras mon chevalier. Ça te dit? Cimère. Et ben voilà. Il a été recruté automatiquement. Hop. Ah oui, alors médecin. Ah, ils sont tous pas terribles. Hein. Ils sont tous pas terribles. J'essaie d'influencer qui là. Ah oui. Négociation. Ah yes. Je négocie mon alliance avec la Castille. Excellente nouvelle. Great success. Et là, je commence à avoir une puissance plutôt pas dégueulasse, hein, je dirais quand même. Allez, dis donc, la Castille me rapporte 3000 gains. Hein. C'est quoi mes revendications? Ah oui. J'attendrai. Ah, il est en guerre. D'accord. Puissance équivalente. Après, moi, j'attendrai. Il se prend une branlée, là hein. Oui, c'est un peu la branlax là. Après, en termes de faction. Trop faible pour envoyer un ultimatum. Il y a Semper qui veut me rejoindre. Quoi. Ils sont plutôt satisfaits de cet empereur, c'est ça ce qu'on est en train de me dire. Ok. Ok. Je vais quand même envoyer un ultimatum à Jean-Michel. Et puis tant pis. Hein. Alors c'est la guerre. La guerre d'indépendance est lancée. La guerre d'indépendance est lancée. Je vais appeler tous mes alliés. C'est pour la guerre, vous êtes ok? Ah, Cimer. Cimer Albert. C'était pas ma guerre. Je lève tout le monde. Hein. Ok. Bah, elles sont où ces unités à lui? Il est un peu en guerre contre tout le monde, j'ai l'impression.
La Flandre, la Vendée. Et il va falloir que je fasse caf à ne pas choper les autres gars. Non, non, non. C'est pas le moment. Ok, bon, ça se tente. Putain, en fait j'aurais pu attendre, je pense. J'aurais pu attendre parce que ça se trouve, il y aura comme l'empereur a changé. Comme l'empereur a changé, la Galice, c'est quand même pas le futur. Hein. On va voir comment ça va se passer cette histoire. Mon but, c'est d'aller récupérer quand même ce truc-là. Oui, putain, j'ai perdu mon monde en chemin. Le truc, c'est que je n'arrive pas à voir où sont ces troupes. Ah, ils sont là. Ah oui, ça commence à faire beaucoup là, en fait. Ça fait beaucoup. Est-ce que la Castille m'envoie des unités? Oui, c'est en train d'arriver. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Je me fous là-bas. Alors attendez, j'ai encore des problèmes de piles. Allô? Oui, voilà. Là, c'est des nouvelles piles, là, quand même. Là, si j'ai des problèmes, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais attends, mais j'ai 5000 gars. J'ai 5000 gars. Mais on est bien d'accord que lui est en guerre aussi. Je vais attendre les mecs de Castille. Non, alors attendez. Ça, si ça arrive, dans le sens où si j'attaque, si je me fais attaquer par l'autre guerre de l'autre, j'aurai légèrement le seum. Je vais aller prendre des trucs là. Ah putain, je suis à côté de l'armée française. Ça fait flipper. Je perds des unités. J'attends juste que la Castille. Ils en sont où les unités de Castille là? Oui, c'est bon, ça arrive. Ça arrive, mais je suis pas serein quand même, hein. Parce que là, ils sont plutôt venus me chercher moi, hein, j'ai l'impression. Suis légèrement endetté. Après, ils ont d'autres choses à faire, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Il y a moyen qu'il se passe quelque chose, hein, dans ma vie. On est bien d'accord que eux ne peuvent pas rejoindre ma guerre. Maastricht, il... C'est qui ce gars-là? Ah non, mais 5000 gars, ils vont rien faire. Putain, il y a 8000 gars là-bas. Mais attends, il va pas me poutrer moi quand même. Il a la France. Il est en guerre contre la France. Attends, si je calcule 2500, 2500, 5000. Ah et même avec la Castille, j'y suis pas. Hein. Remarque, si on est un peu à l'égalité. Ah putain le bâtard il va prendre Maastricht. Ok. Après, derrière, j'espère que le siège va mal se passer pour lui. Hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais je rêve, la Castille est passée par la France. Mais quelle bande de bolos! Putain, il faut être quand même des attardés mentaux pour faire ça. Mon Dieu, qu'il faut être des attardés! Je suis à combien? Je suis à 4000.
Ouais, ça va jamais passer cette histoire. Ça ne va jamais passer cette histoire. J'attends qu'il split son armée ou j'attends qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Mais c'est quand même très bizarre son histoire, hein. Mais attends, on est bien d'accord que lui. C'est qui ses alliés? Ah, c'est Buggy, très bien. Je comprends pas pourquoi il y a le royaume de France. D'accord. Pour l'instant, c'est quand même pas le Turfu. Je dois le reconnaître, ce n'est pas le Turfu. Ce serait bien que son armée fasse une dingue. Ah putain, je suis tellement pas serein. Je suis tellement pas serein. Putain, j'aurais dû demander. Ça se trouve, j'avais des hameçons en plus là. Non, mais parce qu'ils vont peut-être chier un siège là à un moment donné. Ils vont peut-être avoir des grosses pertes. Ah putain, ils ont plus leur guerre. Ah là, ils sont full contre moi. Après, il y en a peut-être un qui va profiter de ce malheur pour me faire du yab. Est-ce que la Castille va me renvoyer des unités? Est-ce que c'est prévu ça? Ok, pas particulièrement. Après, derrière, ils vont peut-être s'occuper de la Galice. Là, par exemple, là, ça peut être un move intéressant, ça. Non, mais par contre, arrête. Non. Alors, attends. Vous êtes en train de faire quoi, là? Je vais sauvegarder parce que là, si c'est un move aussi mauvais que ça, jamais ça ne se passe. Non, voilà, très bien. Bah, il est en train de récupérer mon territoire. Non, mais c'est un sketch. Rejoindre le camp adverse. Non mais please, attendez, là, c'est pas quelque chose qui peut arriver. J'ai fait une dingue un peu chelou, hein. Je dois le reconnaître. Ça va jouer sur les territoires, mais bon, après, derrière, j'en ai pas tellement des territoires. Et oui, évidemment. Mais en même temps, je sais pas ce que fout la France, là, bordel. Parce que forcément, la France, on est bien d'accord qu'il peut pas mener une guerre contre un comté. Forcément, il va mener une guerre contre un royaume, contre un empire. Oh, vas-y, il y a les Croates qui arrivent. Oh là là, j'ai vraiment zéro luck. Alors, à moins que je les intercepte avant. Est-ce que le monde est avec moi? Ah, petit bâtard! Ah, s'il vous plaît. La dingue.
Ouais, Cimer, le score de merde. Le score de guerre nul à Yesh. Là, évidemment, si je passe par là, je suis que sur des territoires où je peux pas déplacer une armée. Cimer, la vie. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Moyen. Moyen. J'étais chaud au début et puis je sais pas pourquoi la France s'est ramenée en disant ce territoire il est à moi. Alors que en fait non, parce que c'est moi et c'est moi qui. C'est à moi quoi. Et il m'a dit Nick. T'as quoi comme territoire toi? J'ai le Luxembourg. Ah. Enfin un bout du Luxembourg, mais en fait c'est sur la guerre là, c'est-à-dire que j'ai effectué des sièges. Mais les sièges ne sont pas passés. Attendez, ils sont où tout le monde là? Ah là, il est parti pour me casser la gueule. Attendez, il s'est passé quelque chose, je crois. Ah, on voit pas que. Ouais, tu peux recharger tes parties. On va voir, attends, on va voir. Parce que. Ouais, c'est bon, je suis pas en guerre. On va voir. Je vais. En fait, finalement, c'était une mauvaise idée de déclarer l'indépendance. Mais surtout, je vais juste attendre. Attends, on est sur quel niveau là? Ah oui, j'ai tous ces alliés là, donc. Ouais, c'était une bonne chose. Voilà, le roi est mort. Le roi est mort. Et je vais juste voir s'il y a des membres qui veulent se joindre à moi pour l'indépendance. Mais en plus, c'est chelou parce qu'il y a un changement. Ah oui, mais comme c'est une monarchie élective. Enfin, un truc électif. Vous déclarez la guerre. Ok. Mais ça me fait chier d'être tout seul là sur cette guerre d'indépendance quand même. C'est pas très gentil. T'as pas d'alliés? Si, j'en ai plein. Mais le truc, c'est que j'ai des alliés qui sont déjà dans le territoire. Ah. Il y a un gars qui a parlé dans le chat, c'était en beau. Le truc, c'est que oui, du coup, je peux pas. Putain, c'est quand même dingue. C'est peut-être encore un vendeur de follow, là. Ouais. Je vais dissoudre ça et je vais regarder ce qu'il y a. Putain, il y a encore eu des trucs, là. Créer une faction prétendant. Est-ce que je peux me mettre moi en prétendant? Ça serait le futur. Où moi? Parce que j'ai quand même un beau duché. Je peux pas. Je vais remettre la faction indépendante. Ouais, pas les insatisfaits. Putain, c'est relou parce que du coup, j'ai une autorité de la couronne. Mais attendez, parce que je rêve où il y a l'empereur qui a changé les fucking règles. Du coup, je peux pas faire la guerre avec les gens que j'ai mis de. Hein? Bon. Relou, quoi. Oui, bah, ah oui, mais non. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'hameçon. Jean-Michel, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Non. Bon, tant pis. Rester là-dessus. C'est un peu compliqué. Alors attends. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Ah oui, alors j'ai mes fermes qui sont arrivées. Aïe. Pourquoi j'ai ça en plus là? Je prends. Alors là-dessus, j'avais dit grande levée. Paf. Mais alors attendez, rappelle-moi ce que c'est que cette guerre, bordel.
compte Trucmuche. Ah oui, c'est pas moi, je m'en fiche. Mais il est quand même en train d'attaquer une de mes tourelles, c'est enfoiré. Mais. Putain, il est en train de gagner en plus. Oh putain, il est allié avec tout le monde là. Mais d'accord. Je respecte la vie privée. Je cherche pas la merde hein, avec mes vassaux. Putain, mais pourquoi personne? Pourquoi personne ne veut rejoindre? Ah, super, de la mouni. De la moulaga. Comme ça, je vais pouvoir construire des trucs. Ta zone à toi, c'est que la zone bleue ou t'as la rouge aussi au-dessus? Non, moi, c'est que la zone bleue. C'est un petit territoire, hein. Ouais, c'est pas très grand, ouais. Mais ça va, en fait, j'en sors plutôt pas mal, hein, parce qu'à la base, je n'avais que ça, que Brabant. Et je me suis étendu. Avec des jeux d'alliance, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est pas déconnant. J'ai quand même fait un truc pas dégueulasse, hein, je trouve. Et puis, je suppose que t'es obligé de faire la guerre quand ils veulent pas s'allier, quoi. Ah oui, mais là le truc c'est que comme je fais partie de l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, et ben lui peut changer les règles, et il a changé les règles en mode tu n'as plus le droit de faire la guerre entre les seigneurs de mon empire, quoi. Ok. C'est-à-dire que moi, évidemment, toute ma stratégie se basait sur aller emmerder mon voisin qui fait partie du même empire. Attends, j'ai découvert. Le truc, c'est que il a changé les règles pour que je n'ai plus la possibilité, enfin que tout le monde n'ait plus la possibilité de se faire la guerre entre vassaux. Et bah du coup, je suis niqué. Parce que j'ai plein de casus belli. Casus belli, c'est les raisons de guerre. Mais je ne peux pas. Et je ne peux le faire qu'avec des hameçons. Et les hameçons, on les obtient quand on fait des faveurs aux gens. Le truc, c'est qu'évidemment, bah, je ne l'ai pas géré comme ça. Ouais. Donc, tu peux pas faire de faveurs aux gens. Là. Non. C'est con. Oui. Et en plus, le système. En fait, le Saint-Empire romain germanique, ce qui est compliqué aussi, c'est que ce n'est pas une. C'est pas un. L'héritage, enfin le système, c'est pas un système de père en fils, l'héritage de la couronne. C'est une élection. C'est-à-dire que y a des gens qui ont des votes et ils peuvent voter pour le prochain. Et le truc, c'est que. C'est compliqué de faire des alliances parce qu'à chaque fois que l'empereur meurt. Il faut que je fasse un nouveau ami avec un nouveau qui fait partie d'une autre famille. Et c'est relou, quoi. Mais toi, tu peux pas être élu. Sur le principe, si, je pourrais être élu. Ouais. Mais là, je suis trop petit, je pense. Alors, attends, est-ce que c'est quoi ça? Bon, de base, j'ai prouvé le mariage avec. Et consanguin. Comment ça, il est consanguin? Oui, bah allez, vas-y, tant pis. Bon, bah alors ça a été prouvé que, que j'ai un lien de consanguinité avec ma femme. Donc, j'ai dû divorcer. Et là, il faut que je me trouve une gueuse. Une gueuse un peu vieille, hein, quand même. Genre cette meuf. Attends une minute. Faudrait que t'en trouves une d'un autre territoire pour pouvoir t'allier aussi. Oui, sur le principe, oui, c'est toujours un peu mieux, mais c'est compliqué d'en trouver. Parce que il faut que là je suis tellement vieux qu'il faut, que je tape plutôt une reine mère. C'est-à-dire la mère du roi. 54 ans, par exemple, elle, c'est un beau parti. Ça me permet d'être allié avec un mec qui a 5000 unités. Est-ce qu'elle va accepter? Évidemment que non. Ah oui, c'est vraiment l'opinion en fait qu'elle aime pas. Et j'ai trop d'alliances. Ah la relou.
Elle reloue. Je vais trouver quelqu'un. Ah, la Pologne est passée. Est passée Kato. That's cool. 2000 gars la Pologne. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'elle accepte? Non, toujours pas. Siner. Ça, c'est la recherche d'un bon parti. C'est lol, mais relou quand même à un moment. Non. Non. Ouais, c'est trop loin. Écosse. Putain. Ouais, tu peux pas aller trop loin non plus. Bah là, par exemple, je suis allié avec la Castille, c'est un peu loin. À chaque fois que je fais une guerre, il faut que ça me met un peu de temps pour arriver. Ouais. Oh putain. 42 ans, c'est un peu tendu. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire un gosse. De toute façon, elle ne veut pas se marier avec moi. Pourquoi ils sont tous méchants? Empire byzantin. Mes alliances, allez, nique ta race. Les orthos. Oh là là, mais mon adversaire, il veut se marier avec moi. N de Castille, bah c'est déjà. Oh là là, bon bah tant pis. Je vais attendre. Attends, c'est qui la daronne de lui là? Ah, elle est dead. Ouais, compliqué cette histoire. Si je regarde dans les. La Hollande, Frise, Lombardie. Bavière, Bohème, Moravie. Oh, il est dégueulasse! Ah, mais elle était mariée avec le Kaiser. Ouais. Niquez-vous. Niquez-vous. Non, mais là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Alors, attends. Vrai, ta vie, faut. Ah, putain! Mais je lui ai demandé d'arrêter! Améliorer les relations religieuses, ouais. Putain, petit con, va. J'attends que ça soit la demeure entre la guerre. Cette guerre-là. Là, le meilleur moment, c'est quand même que l'Empire romain germanique se tape une grosse guerre. Ouais, comme ça, toi, tu peux en profiter à côté. Exactement, il sera obligé de faire autre chose. Je regarde un peu ce que j'ai là. Revendication, potentielle alliance. C'est pas la folie. Royaume de Norvège. Quand il y a une grosse guerre à côté où tu t'en fais pas partie et il n'y a pas d'alliés dedans, tu peux pas essayer de t'allier avec un des partis? Pas directement comme ça, non. Baronnerie de Marseille. Oui, mais je cherche des vieilles dames, moi. Non, des vieilles. Potentielle alliance. J'ai que ça vraiment là. Avec que des Tessis là. Oh.
flèche. Baronnerie. Oh l'enfer, quoi. D'accord. Eh ben écoute. J'ai rendu en plus elle a des. Mais c'est une famille si nulle. Putain, elle est roturière, cette connasse. Âge. Attends, hop. Alliance. Alliance. Dynastie. Avec dynastie. 44 balais. Je crois qu'il se passe des trucs pendant que tu cherches ta femme. Oui, oui, mais c'est, on s'en fout. Bah en vrai, en plus, je m'en fous en fait. Je peux arrêter. Je peux arrêter de l'influencer. Hein. C'était pour créer l'alliance. J'avais besoin un peu de l'influencer, de lui dire. Ah, poteau! Vous et ma daronne. Hop, donc ça c'est fait. Et j'ai une alliance de merde, hein, on peut le dire, avec ce gars-là qui a 170 unités, c'est-à-dire que dalle. Non. Ouais, pour l'instant j'ai pas assez. Liège. Alors attends, est-ce que ça vaut plus le coup de faire ça plutôt que. Je vais plutôt la jouer comme ça. Paf! Ah putain, ils sont en train de gagner la guerre, ces connards. Ils sont en train de gagner la guerre. Et le truc, c'est que mon alliance, il sera jamais éternel hein, avec la flamme. Bah. Bah, ou quelle est mon alliance avec la Castille? Il n'y a pas eu un mariage avec quelqu'un là? Ah, il est décédé, l'enculé. Oh non! Du coup, tu viens de perdre une alliance? Je viens de perdre une alliance. Ah, une meuf à poil. Oh putain. Ok. Ah c'est que des meufs. Oh putain. Ok. Oh non, j'ai un peu légèrement le seum. Lui il est maqué. Ah putain, c'est une fille. Il me faudrait un gars. Ah bah. Bah pourquoi? J'ai un filtre? Non, ma fille. Où qu'elle est ma fille? Et maître espion. Avec le roi de France. Ok. Considération sur l'âge. Oh, ça va et. Un peu d'ouverture d'esprit. Oh putain, c'est parti pour s'emmerder. C'est parti pour s'emmerder. Aïe 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 aïe. Après, derrière, si j'ai une alliance avec la France. Putain, ils ont que 2000 unités. Ah le relou. Attends, j'ai même pas regardé s'il avait. Mais please.
comment j'ai trop d'alliance. Mais comment ça, considération sur l'âge? Il a 29 ans, elle en a 31. D'accord, ouais, niquez-vous. Niquez-vous. Puissance de l'alliance. Aïe, 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 aïe. Cité, que des cités. C'est quand même un peu adèche. J'ai pas moyen de... Attends, ouais, je vais regarder quand même. Putain, 356 balles. 356 mecs. Je te prends, mon gars. Ah, il accepte même le mariage. Okay. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse ce que je fais. Ah putain, il y a aussi cette meuf. Ah, duché de Flandre. Ah bah, duché de Flandre, je dis oui, hein. C'est ma fille, hein, oui. Ah, duché de Flandre, je dis... Mais j'étais pas déjà allié avec la Flandre ? Si, j'étais déjà allié avec la Flandre, bordel. Je crois que j'ai fait une dingue, hein. Allons voir un peu aux nouvelles. Est-ce qu'il est en guerre? Non. Tyrannie. Sens de complot. Pas ouf. Hein. Ça, je prends. Alors. Ah mais attends, mais la France, lui, est en guerre. Non, il est qui en allié? Plutôt 4600. Il n'y a pas beaucoup d'alliés. Est-ce que ça vaut le coup de faire la guerre pour ce comté de merde? Rien n'est moins sûr. Il y a une vieille alliance de merde. Ok, je dis que ça se tente. Je vais faire la guerre à la France. Je sauvegarde parce que je suis frileux. Ça reste quand même une guerre contre la France. Et je ne vais pas faire appel... aux alliés. Attends, je suis... Oui. Très bien. Putain, mon évêque ne m'approuve toujours pas, quoi. Hop, je laisse tout. Bam. Alors, héritage. Moi, ce qui va beaucoup m'aider, c'est ça. Le sang noble, comme ça, je n'ai plus de malus sur les traits congénitaux. Ah! Je vais faire appel. je vois la petite armée de 3000 gars qui arrive. La Flandre, évidemment, ne voudra pas. Cette meuf, c'est combien déjà? Et ce mec, c'est combien? Ouais, swab. Ça va me coûter, ça va me coûter du prestige. Ménique. Alors là, il va falloir que je fasse un peu du twerk. Je vais twerker au milieu de la route.
pour pas me faire chauffer par les Français. Si jamais tu gagnes ta guerre, là, tu je gagne ce non, je récupère juste ce territoire là, le bouillon. Ah. Okay. Ah, je suis en train de gagner. J'ai de meilleures unités, putain, la chatte. GG. Hein. J'étais pas. Putain, vraiment, ils ont des unités de merde. Hein. Il y a un monsieur à poil. Ah oui, pour le médecin. Oui, bah je vais prendre ça. Unbelievable, j'y ai jamais cru. Hein. Attends, c'est pour qui? C'est mon fils? Et mon fils, il a pas d'enfant? Et vous? Je veux pas qu'il claque. Ah! Une croisade pour Jérusalem. Comment il s'est. Ah, combattant allié tué. Scheiße. Rançonné, oui. Ouais, toujours pas. C'est lui qui est mort. Non mais non non non. Qui est mort? Ah, du Luxembourg. Ah mais c'est ce connard. Ah bah très bien, parce que c'est lui qui était saoulant. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? On va investir dans la forge. Oui. 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 Ri. Ri. Oui. Ouais. Et c'est parti pour le show. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai ce mec là. Attends, c'est lequel mon micro déjà moi? C'est le 4 je crois. 1, 2, 1, 2, oui c'est ça. Alors j'étais à racheter du jus de pomme hein, quand même aussi. Bon, ils vont récupérer le territoire. Putain, ils vont jamais venir avec moi hein, par contre. La diplomatie. Alors attends, parce que mon fils il va comment là? Ah non, c'est bon, il est réparé. Bon bah le siège il est en cours. Hein. Allez. Voilà, l'objectif est là. Je vais peut-être aller à Cambrai. Je passe par là. Je veux qu'ils viennent m'attaquer là, ces losers. Ils ont trop peur. Des 12 volts, hein.
Allez, s'il vous plaît. Yes. Allez, chais. Ça t'apprendra à récupérer un territoire qui n'était pas à toi. Espèce de méchant garçon. Et bim! Le roi de France, là, qu'est-ce qui t'arrive, sale loser? Allez, il me faut un peu de gloire et de fortune, là, à un moment donné. Oui? Ça fait beaucoup, mais oui, il reste de la viande quand même. Ah bah ouais, d'accord, oui. Bah oui, je prends tout. Bouillon. Putain, 9 ans. J'ai un sénéchal, putain, je suis pas fou, hein. Il a pas de thune. Don't have the thune. Revenu mensuel, oui. Là, comme je suis en pleine croisade, j'ai besoin de thunes. D'ailleurs, elle est où mon armée là? Là. Ah, ils sont là. C'est pas grand chose, mais écoutez, c'est déjà ça. Je veux bien me faire voir. Fait un score de 0. Putain, j'ai rien gagné. J'ai seulement rien gagné à faire cette croisade. J'ai trop tergiversé. Ah, il y a des membres sur l'indépendance. Ah, bah c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Mais attends, ils sont pas encore arrivés là. Évidemment que non. Club. Ah ouais. Il a gagné le royaume de Jérusalem, ce gars-là. Bon, ah non, c'est des revendications, putain. Moi, j'en ai aucune, hein, on est bien d'accord. Ah si, j'ai Cambrai. Ah oui. Améliorer tout ça là. Allez hop. C'est la dèche, hein. C'est la dèche en termes de tunas. Je vais sauvegarder ma partie.
Même son secret. D'accord, j'ai des hameçons pour tout le monde. Il n'est point en guerre. Très bien. Mais en même temps, avec le... Putain, avec la croisade, à mon avis, c'est bien mis, hein, ce gars-là. Royaume de Jérusalem. Indépendant, hein. Il est indépendant, ce royaume. Ce qui est legit. Par contre, alors attendez. Votre succession. Toujours pas, hein. Pourquoi je peux pas organiser? Ah, il manque de la thune. Ok. Contrôle 100%. Ah, il y a des noms de Brabant, il faut que je mette un meilleur contrôle là. Je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Ah mais oui, mais cette meuf, moi j'aimerais bien lui faire la guerre. Bah c'est-à-dire que j'aimerais bien évangéliser tout le monde, hein, mais j'ai une toute petite armée. C'est-à-dire que moi je pourrais pas faire grand chose. Hein. Il y a eu une croisade et je suis arrivé en retard. Putain, mais à un moment donné, il sera en guerre, lui, c'est pas vrai. C'est sa gueule de con. Non. J'ai une petite armée. Et j'aimerais bien que la faction se grossisse. Là, c'est un peu la dèche. J'ai l'impression que tout le monde est content. Quand c'est moi qui y joue, tout le monde est vénère. Et quand c'est les autres, il n'y a pas de problème. Et t'as quelqu'un qui est par la bande. Pardon ? Mais what ? Mais t'as rien cette meuf ? Elle est tarée, elle a 300 gars, elle fait la guerre contre un mec qui en a 13 000. Complètement tarée. Moi je veux faire une guerre, d'accord, mais. Putain, j'ai toujours pas d'hameçon. Hein. Putain, c'est vraiment un loser en plus ce gars-là, je veux récupérer ce vieux territoire là. Mais le roi il a décidé que non. On n'a plus le droit de faire la guerre, c'est quand même dingue. Droit divin. Oh là, l'enfer. Vous avez mangé, hein? Ah. C'est Freud Scold. Namur. Un camp militaire, allez, je... Là, on ne tergiverse plus. Il faut des unités. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas de chevalier. Courtisan. Toi, t'es fort, toi ? Allez, négocier, je te recrute. Bim. Et j'ai son père dans ma cour là. Apparemment,
Sonter. Et mon évêque, il est toujours vénère contre moi. Elle reloue. Alors que je lui ai donné tous mes gosses. Hein. Lui, il a un gosse, Hendrik. Il a 21 ans. Pardon ? Lui, ça fait des gosses. Cité de Turenne. Contre les complots. Ah ouais, elle est quand même un peu nulle cette meuf. Intendance, lui c'est un... Oui. Bien chaud comme il faut. Ça va le faire, je pense. Ça va l'effectuer. Non mais écoute, maître espion, tant pis. Yes. Je suis passé intendant de l'Empire. Non mais c'est bon, ouais. Ouais, c'est chaud. Peut-être juste du sel. Si. Ouais, bah du coup cette meuf elle est... merci. Partout. Putain, mais nouveau photo pour Ange. Papa, papa, pourquoi j'entends en double? Merci pour le photo. Très chelou de l'entendre en double. Hein. C'est un mec, ça? Merci beaucoup pour le follow, Altinsoyonren. Merci beaucoup. T'as bien vu du coup qu'on a un sub, un follow goal là, follower goal. Il en manque plus. Ouais, je sais plus où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, Cimer. Cimer, j'espère que tu kiffes ce gameplay du Durfu. Là, je cherche un cum pour ma te pute fille là. Genre, moi je dis ça se tente. Hein. Elle est où? Où qu'elle est ma fille? Bah, elle est pas mariée ma fille. Je suis pas taré. Mais attendez. Stéphanie Van Trucmuche, c'est qui cette meuf? C'est ma petite fille. Oh, putain, c'est ma petite fille. Mais c'est la petite fille de qui? De mon prince héritier, hein, on est d'accord. Merde, attends, c'était Poitiers, ouais. C'est elle. Ah ouais, enfin, il est indépendant, mais c'est un peu une merde, quoi. Race de la Bretagne. La Bretagne est un peu loin. Mais en vrai, je pourrais, hein, parce qu'en termes de puissance... Ah ouais, non, en termes de puissance. Un peu au-dessus. Il faudrait que j'appelle les alliés, quoi. Oh, putain. Mais non. D'accord. Oh, ça va être encore l'enfer de trouver quelqu'un. Ah. Évidemment. Quoi, elle est trop jeune? Bon, tant pis pour elle.
pas fabriquer des hameçons. J'ai essayé de l'influencer, ce gars-là. Attends, je suis influençant. Ah ouais, bon. Tant pis, et ça va peut-être me donner un hameçon. Bien d'accord qu'il est marié avec de Flandre. Sur le principe. Ah, c'est cette revendication là. Oh là là, mais la France, elle est en train de se faire poutrer là en ce moment. Oui, j'ai hâte. La France se fait poutrer, mais putain, le Saint-Empire romain, c'est tranquille. Oh, je suis repassé tout seul sur la putain de conspi. C'est contre le Kaiser en plus. Moi ça m'intéresse pas.
Ouais, je vais tenter ça. Salut Kimron 1, 2, 3. T'étais venu pour... Attends, j'arrive pas à lire ton message. T'as plus le Dragon Ball. Ah oui. Très bien, bah vu. Dragon Ball. Et du coup, t'es là pour le 48 heures. Ou pour mon joli faciès. Hein? Ah, je garde mon alliance avec la Flandre. Hein. Compliqué à détendre quand même mon royaume, enfin même pas mon royaume, mon duché. Ce qui vient d'arriver. Mais comme j'ai de la thunasse, j'en profite. D'ailleurs, en termes de... Je joue ni un pays ni un royaume, je joue un comté. Voilà, du coup un duché. C'est le duché, à la base je jouais le duché de Brabant, le comté de Brabant. Et je me suis étendu, la street, je tout. Et j'ai usurpé le titre de duc du Luxembourg. Donc du coup, maintenant vous pouvez m'appeler duc de Luxembourg, duc de Juliers, comte de Brabant, de Maastricht, de Namur, de Liège et de Bouillon. Ah putain. Putain, ma meuf a, ma fille a eu un gosse avec mon légitime.
Est-ce que ça vaut le coup pour ce minuscule territoire de faire chier les Français? Oui, alors attends, parce que toi, en fait, je m'en fous. C'est bon, maintenant, il m'approuve, là. Le Piémont. Nul. Mon pote. Est-ce que c'est un influenceur? Oh, il fout partout. Et prendre Saint-Étienne. Saint-Étienne déjà le passé. Mais c'est où Saint-Étienne? C'est dans ce coin-là, non? J'aurais dû prendre l'Anjou. Putain, l'Anjou Pop Corner, bordel. Là, je fais des dingues hein, quand même. Je dépense sans compter, mais c'est pour le bien de mon royaume. Hein. En fait, c'est qui lui là? C'est qui le baron Hubert? C'est mon vassal? Comme titre. Oh. Ouais, mais alors, non, vas-y. C'est pas le coup de faire la guerre là-bas. Hein. Le duché de popcorn. En plus, on peut renommer les duchés. Oui, bah, je m'en fous de ça, moi. Mon amante, ça va bien, là. Oh, c'est un nain. Ah, oh, Nick. Thank you.
salle puissante, ça. Mais tant pis pour toi. Hein. Ah putain, lui, il est pas marié. D'alliance là. Oui. C'est le but du jeu de manger. Voilà le duché de Popcorner, quoi. Je le conquiers. Et bah ben, il est là. Voilà. Braddock. Hein. Exactement. Ah putain, je peux pas créer. Non, il n'y a pas d'attaque de zombies dans le jeu. Après, il y a un mode Game of Thrones, je crois. Un peu des zombies. Ah. Guerre. Pas non plus en guerre. Ah putain. Là, il refuse. Non mais ça va, t'as 59 ans, Jean-Michel. Qui a 50 balles, il me dit ouais, je pense pas pouvoir faire d'enfant avec cette meuf. Ah, c'est en train de s'engueuler dans le chat.
Braddock, t'as vu du coup que j'ai renommé le duché en popcorner? Et le futur. Là c'est calme hein, quand même. Exactement. Je le remarie avec le... Facile, quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Ah, il veut pas. Bah, je vais te faire la guerre alors. Là, pour l'instant, j'ai tellement de la thune. Que je me fais zizi, hein. Alors. Ouais, pour l'instant. Putain, c'est relou en fait. C'est tellement relou de pas pouvoir faire la guerre. Plus personne ne fait la guerre, ouais. Toutes mes revendications, non, je peux pas. J'ai essayé d'influencer le King. J'espère qu'il est pas trop vieux. Il est dégueulasse. Oh, il est lépreux. Tenter d'influencer le Kaiser. La cyberattaque. Eric. Ah mais j'ai mal aux oreilles avec... Ça fait mal aux oreilles. Combien de temps je vais... Pas comme ça, Zinedine. Je suis infirme. Lui, il est passé. Il est passé templier, lui. Et mon son. Off a bitch. Ah putain, mais j'ai quand même tout fait pour avoir des problèmes avec ce gars-là. Hein.
Et pour, pas pour avoir des problèmes, mais pour me marier avec ce gars. Moi, je veux bien faire la guerre, mais là, c'est passé. Là. Qui veut se marier avec l'empaleur? Ouais, pour l'instant, c'est un peu. Hein? De la partie de la famille décapée, bah oui, carrément, je prends ça. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pas un lien direct. Quoi. Ça m'a juste donné. Ouais, bien sûr, ouais. Attends, mais d'ailleurs, ça va être lui. Arranger mariage. Ah oui, bah non, non, mais je peux pas. Il a aussi des droits, lui. Il a des droits sur l'Angleterre. Non, toujours pas. Toujours pas. Ah putain, c'est tellement relou. J'ai envie de faire la guerre. Toujours infirme. Putain, j'ai mal aux oreilles. Non, mais là, justement, comme je fais pas trop la guerre, j'en profite à max pour upgrader tous mes trucs. En Liège. Quand même un peu le futur. Hein. Attendez, je vais faire juste une petite pause. Parce que j'ai mal aux oreilles. Hop. Je fais juste une petite pause et je reviens.